Thank you much for having me here. It's a real pleasure to be among so many renowned experts on a Sunday morning. Never had this before. So what we do in a few words is Swisscom has a very large ICT solution business. So we help companies to digitize their business processes. So for example, if somebody wants to have a letter digitalized and classified and automatically sent to the right person, we do this for the company. And we always have been very active in the field of big data in terms of to analyze structured data for our partners. But several years ago, we just figured out that in terms of AI, there are really needs in companies to help them to improve their cost efficiency, to automate processes, to improve the productivity of their employees. And this we do using AI. So how we do this, the pleasure that we have is that we have a very close research collaboration with EPFL, which is very interesting and also lots of fun. And then the way this is structured, that we have our AI experts combined with really engineering and integration capabilities that we then have working with our clients. And all in all, this is about 800 people. So really, we see here a prime chance for us as Swisscom, because we handle data very well. We are at the cutting edge with EPFL to really use AI to improve businesses all over Swisscom. So here, I have a really, let's say, engineering and business-oriented standpoint that I would like to discuss today. Thank you. So, Anna, you represent a huge company, has a lot of phantasm, and what about the future of humanity seen by Google, and this, of course, transhumanism, and the fact that the founders of Google are supporting transhumanism claims sometimes, and so on. So can you speak to us about your vision and the vision of Google of artificial intelligence? Bonjour. Je recommande d'apprécier le TechMath Summit. Je comprends un peu français, mais je ne parle pas bien. Et je parle allemand suisse, mais je pense que c'est mieux si je continue en anglais. And I would like to start with a quick poll of the audience, and I would like to ask my fellow panelists, Jean-Philippe, Michael, Eric, Elisabeth, also to join. And please raise your hand if in the past months you have used Google Translate. All right, so that's pretty much the majority of the audience. And you may have noticed that since November last year, the quality of translations have improved. This has happened thanks to the fact that we have implemented machine translation. So we use neural networks, or artificial intelligence, if you wish, for making translations better. So now we are able to take into account the whole sentence. We are able to take into account the context, to account for grammar better, and make the translations sound more correct. I'm one of the leads in Google Research Europe, and our teams are using machine learning to make products of Google better and help improve help improve people's everyday life. But I would like also to lay the terminology that we will be using today during this discussion of artificial intelligence and machine learning. Artificial intelligence is the science of making machines appear to be smart and intelligent. I would like to give an analogy here. So we know that birds fly, and planes also fly. We build those machines, but planes don't flap wings, and we don't pretend that they're birds. But they're good at solving this particular task. They're good at flying, and in the same way, intelligent machines are good at solving particular tasks. We are building those technologies to make them useful to humans, to assist humans in solving one or another complicated tasks. And we've seen a lot of progress in artificial intelligence in the past few years. And
this is largely due to the improvements in the more narrow field, which is called machine learning. It's a newer field, it's a smaller one, and a lot of progress that we have seen in translation or many, many other areas is thanks to the improvement in that field. And largely this happened because we now have access to computational power. A lot of algorithms that machine learning is based on have been invented back in the 1980s, so it's not really very new, I would say. But back then, we didn't have the computational resources that we would have been able to implement those algorithms and see that they actually are working and we are able to improve our products thanks to them. And so the previous panel has been talking a lot about robots. And I think it is also important to make distinction between these three fields. So artificial intelligence, once again, is a art and science of making machines appear to be smart. Machine learning is part of the field, and machine learning is about teaching machines to recognize patterns by seeing a lot of examples rather than programming them to be intelligent. So apparently it is easier to make machines to learn to be intelligent rather than to program them to be intelligent. And then robotics is a different area. Robots are machines that move. But I think when you would just come to a person and ask them what do they think about robots, the image that comes to their mind is a robot that moves, that is intelligent, and that learns to be even more intelligent. That's a bit unfortunate that the field of artificial intelligence comes with a lot of baggage from sci-fi movies. But in fact, these robots that many people would think of is just a very, very small intersection of these three fields, machine learning, artificial intelligence, and robotics. And there doesn't exist any examples right now of robots that would be looking like this, that would be combining all these things together. So I believe that this is still an interesting field of research and definitely a fascinating one. But machine learning, on the opposite, on contrast, is not a futurism. It already exists. It is now in your pockets, in your smartphones. And machine learning allows us at Google to make products to appear to be intelligent. It helps us recognize objects in the images. So if you use Google Photos, it can detect the objects such as mountains. And if I want to see all the pictures that I have taken last year when I was hiking in the mountains that I would like to send, for example, to my mom. So today she's here in the audience, but she lives in another country. And the only way for us to stay in touch is to exchange text messages and exchange pictures. And thanks to this technology, I'm now able to find that particular photograph that I have in mind that I would like to send to her that I know that would make her happy. And I find this photograph within seconds rather than browsing through thousands, thousands of pictures that I take. Machine learning also helps us to recognize speech, to understand the speech, to translate between languages, and many, many more. So this is the products that we make, and they help improve people's everyday life. Thank you very much. And now we're here for another giant of the numeric universe, Lenovo, with Elisabeth Moreno, la présidente de Lenovo France. Donc je pense qu'elle parlera en français. Bonjour. Oui, je vais parler en français, comme ça j'irai plus vite et je réfléchirai plus vite. D'abord, Jean, merci infiniment de m'avoir invité. Je suis ravie que Christopher et toi ayez eu l'idée d'organiser cet événement. Et je veux aussi dire que Dania, on n'en parle pas, mais elle a fait un travail génial. Et surtout, je voudrais remercier d'abord toutes les personnes avec lesquelles j'ai interagi depuis hier et les speakers, parce que ce que j'ai appris ces deux derniers jours, c'est incroyable. Et puis le panel qu'on a entendu juste avant m'a complètement tourneboulé. Je travaille dans les nouvelles technologies depuis 20 ans et quand j'ai réfléchi à cette intervention, je me suis dit quelle objectivité je peux avoir finalement dans cette discussion que je vais avoir avec vous parce que c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc je pense que si je vous dis que l'intelligence artificielle c'est ridicule et qu'il faut se cacher et surtout ne pas en parler, je serai pas très crédible. Donc du coup, j'ai décidé de vous parler en tant que chef d'entreprise. J'ai la chance de diriger la filiale française de Lenovo. Lenovo, pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise qui travaille dans... les ordinateurs personnels que vous avez souvent sont des ordinateurs Lenovo. Nous sommes dans les objets connectés, nous sommes dans les smartphones. Motorola est une marque Lenovo. Et aujourd'hui, nous sommes
fondamentalement déjà dans l'intelligence artificielle. Et pour vous donner une idée, les analystes tels que Gartner disent qu'en 2020, on est en 2017, en 2020, il y aura 20 milliards d'objets connectés dans le monde. 20 milliards d'objets connectés dans lesquels 80% des applicatifs seront de l'intelligence artificielle. Quand vous prenez, Anna vient de le dire, quand vous prenez vos téléphones aujourd'hui, qui vous permettent de vous réveiller le matin, de faire des photos, de communiquer avec les gens que vous aimez et qui sont loin de vous, de vous informer, d'apprendre, de partager, d'échanger, tout ça, c'est déjà de l'intelligence artificielle. Et de la même manière qu'on n'envisage pas une seule seconde de revenir aux carrioles tirées par les chevaux, on n'imagine pas non plus ne plus avoir ces outils qui nous sont extrêmement utiles au quotidien. Donc, moi, je suis d'abord, en tant que personne, extrêmement intéressée par tous ces outils qui nous permettent d'être plus efficaces, de mieux communiquer, de mieux nous informer, de mieux apprendre, de mieux échanger. Mais je suis également convaincue, en tant que mère, qu'on a besoin de faire attention à la manière dont on utilise ces outils. Et j'ai entendu énormément de choses qui m'ont questionnée sur des sujets que je n'avais pas véritablement envisagés. Et j'en suis arrivée à la conclusion que finalement, il ne faut pas oublier quand même que l'intelligence artificielle, ce sont les êtres humains qui la fabriquent. N'oubliez pas que l'intelligence humaine, c'est un être humain qui met au service d'une problématique une solution intelligente. Et ce que nous allons demander aux machines demain, c'est de mettre au service de la société des solutions pour résoudre des problèmes. Et quand on sait, avec l'UNICEF par exemple, qui investit énormément dans le deep learning, comment traiter la malnutrition, quand on sait comment détecter un cancer de la peau avec l'intelligence artificielle, quand on sait donner à des enfants qui sont dans les pays sous-développés, qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, et que grâce à l'intelligence artificielle, ils peuvent avoir un professeur, en réalité virtuelle ou quoi-t-ce, qui va leur donner des cours. Je regrette, en tant que patronne d'une entreprise dans les nouvelles technologies et en tant que mère, je me réjouis que notre intelligence humaine nous amène à créer de telles choses. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire n'importe comment, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire sans régulation, ça ne veut pas dire qu'il faut... Je pense que c'est intéressant de laisser notre ego humain de côté et réfléchir à ce qu'on peut en tirer de meilleur. Et je crois fondamentalement que ce qui nous fait tous peur, c'est cette crainte que nous fabriquions des robots ou des intelligences artificielles qui rassemblent nos dark sides, nos côtés les plus sombres. Parce que l'être humain est bon, mais l'être humain est également mauvais. Je crois que c'est Rabelais qui disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Si l'on fabrique des robots et qu'on y met de la méchanceté et qu'on décide de les faire détruire le monde, etc., ils ne feront qu'appliquer ce qu'on leur demandera. Et moi, je rêve d'une intelligence artificielle qui remette au cœur de l'humanité ces valeurs qu'on a eu tendance à abandonner ces derniers temps, qui sont la bienveillance, qui sont la considération, qui sont la solidarité, qui sont l'aide, l'entraide et la considération de l'autre dans toute son humanité. Donc moi, je ne pense pas que l'intelligence artificielle va nous enlever notre humanité. Je ne pense pas qu'elle va nous faire disparaître. Pour le coup, je suis complètement d'accord avec monsieur le philosophe de tout à l'heure. Si nous aimons la vie et que nous avons envie de donner le meilleur dans l'intelligence artificielle, nous y parviendrons. Merci. Alors maintenant, merci Elisabeth. Donc maintenant, la parole est à Eric Salobir, qui est dominicain. Et Eric Salobir est également, je dirais, ce qui est intéressant et qui justifie sa place dans ce panel, c'est qu'il est, je dirais, un espèce de point de contact entre l'Église catholique, puisqu'il y a un bureau basé à Rome, et les géants de la Silicon Valley sur justement des discussions concernant l'intelligence artificielle et les questions éthiques qui l'entourent. Donc c'est pour ça que son avis nous paraissait important à entendre dans ce cadre. Donc la parole est à Eric Salobir. Merci beaucoup Jean. Je reviendrai aussi en français, je suis défenseur de la francophonie.
Mais j'essaierai d'aller un petit peu de poursuivre dans cette voie. Alors effectivement, je ne suis pas du tout un technicien, je n'ai pas de PhD en machine learning, mais de fait, en travaillant pas mal avec ceux qui bâtissent cette technologie, en fait dans des entreprises qui sont les vôtres, je m'aperçois que peut-être ça va être intéressant juste de prendre une minute pour faire un pas de côté et se poser une question à un des big what if dont nous parlait Navi hier. Qu'est-ce qui se passerait si on était vraiment capable de bâtir cette intelligence artificielle, on va dire, qui soit vraiment intelligente, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui soit vraiment capable d'avoir au moins une certaine forme d'autoconscience et d'adresser des problèmes, quels qu'ils soient, avec une forme d'universalité, ce qui, pour le moment, ce qu'on a dit, ce n'est pas encore le cas des narrow AI, des intelligences artificielles faibles. Je ne vous pose pas cette question-là, ou je ne vous introduis pas dans cette idée pour entrer dans un débat de futurologie ou pour aborder avec vous le syndrome du Terminator dans lequel, j'espère, ici, personne ne croit, mais plutôt pour poser une espèce d'horizon de sens. Si ça se passait, on va dire peut-être deux choses se passeraient. Tout d'abord, on aurait une intelligence qui ne fonctionnerait pas comme une intelligence humaine. En fait, pour le moment, on bâtit notre connaissance de l'intelligence à partir d'un seul exemple. On a une seule espèce, c'est l'humain. En fait, bâtir une théorie à partir d'un exemple, c'est jamais très bon. Là, on commencera à avoir un second. Ça intéresse beaucoup des gens comme Demi Sassabis, par exemple, de Google DeepMind, parce que, justement, ça pourrait permettre de mieux comprendre ce qu'est l'intelligence. Mais la question derrière, c'est quelle vision du monde pourrait avoir cette intelligence ? Et quelle décision, si elle se trouvait être décisionnaire, serait-elle amenée à prendre ? Est-ce que ces décisions seraient en accord avec nos valeurs ? Est-ce que ces décisions seraient même en accord avec nos intérêts ? Pour prendre un exemple tout simple, si on veut réduire la famine dans le monde, par exemple, prenons en Afrique, on dit, dans un pays, il y a la nourriture seulement pour la moitié des habitants. Est-ce qu'il faut doubler la ration de nourriture ou est-ce qu'il faut diminuer par deux le nombre d'habitants ? Ça paraît effroyable de le dire comme ça, mais une solution qui pourrait être considérée comme logique serait de dire, organisons une bonne guerre ou une bonne grosse épidémie, divisons par deux le nombre d'habitants et là, on résout le problème. Donc voilà, donc la question, c'est quel type de réponse la machine va apporter, qui ne sera pas forcément mauvaise, qui pourrait être très bonne, et quelle capacité nous aurons, nous, en tant qu'humains, à comprendre si c'est une bonne réponse ou pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où on crée une espèce de créature, au moins ceux d'entre nous ou ceux d'entre vous qui l'auront créé passeront du statut de créature au statut de créateur. Et ça change un peu quelque chose, parce que le créateur, c'est quand même celui qui fixe les règles. Alors on peut considérer qu'en venant d'univers différents, on a des règles différentes, que tout le monde ne considère pas qu'il doit obéir aux 10 commandements, par exemple. N'empêche que des règles, on en a quand même, qui nous sont un peu imposées. Là, peut-être qu'on va pouvoir commencer à bâtir, alors on parlait des droits des robots, mais je pense que bien au-delà, bâtir des règles, y compris à un environnement moral, pour ces créatures. Et là, ça change un petit peu les choses. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est évident qu'on n'en est pas du tout là, mais que ces deux réalités, peut-être qu'elles sont déjà présentes dans le fonctionnement actuel des systèmes qui sont déjà en place ou qui sont en test. Et je prendrai juste trois exemples. Le premier, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la justice. Vous savez probablement que la Cour européenne des droits de l'homme travaille sur une intelligence artificielle capable de trier les nombreux cas qu'elle a en attente. Je crois que c'est 70 000 qu'elle n'arrive pas à juger. Ce qui fait que si ce système est mis en place, si vous introduisez un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, donc pour une question de droits humains, votre recours sera peut-être débouté ou non jugé sans qu'aucun humain n'ait jamais jeté un œil dans le dossier. Mais en même temps, ils n'ont pas tellement le choix parce qu'ils ont tellement peu de budget et tellement de cas à traiter qu'ils commencent à être attaqués pour des injustices. Donc voilà, c'est une solution, on va dire, qui s'impose, mais avec une question derrière. De même, si aux États-Unis, dans un certain nombre d'États, le juge d'application, je ne sais pas si on appelle ça le juge d'application des peines, mais le juge qui décide de la libération des prévenus, de la libération anticipée, a été remplacé par une intelligence artificielle, censée être beaucoup plus objective, beaucoup moins raciste, et nous disait Andrew McAfee du MIT, disait le gros intérêt, c'est qu'on a calculé qu'avant le repas, quand le juge a faim, la plupart des gens ne sont pas libérés.
Et une fois que le juge a bien mangé, ceux qui ont la chance de passer après le repas, surtout si le repas a été bon et bien arrosé, alors là, c'est la fête, tout le monde est libéré. Et il disait, l'idée, c'est de corriger ces biais. C'est intéressant, je le comprends. Et ils ont fait des études, les équipes de MIT, en lien avec l'administration américaine, a calculé que ça faisait baisser le taux de récidive, et donc, en fait, ça a amélioré la sécurité dans les rues. Très bien. Ça, c'est l'aspect micro, on va dire. Si on élargit un petit peu, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'en fait, on n'est plus seulement jugé à partir de ce qu'on est, dans, on va dire, ce qui pourrait être une justice de la conséquence. Je fais quelque chose de mal, je suis jugé et un sort m'est appliqué en fonction de ce que j'ai fait, responsabilité, causalité, à une justice qui devient une justice de la corrélation. Je fais partie du groupe de ceux qui... Je suis dans la case où j'entre dans le profil de ceux qui sont, par exemple, potentiellement dangereux. Ce qu'on applique déjà, nous, en matière de terrorisme en Europe. Si je suis potentiellement dangereux, je suis surveillé et ma liberté peut être restreinte, sans que j'ai rien fait de mal pour le moment. Et alors, pour le moment, ça s'applique au terrorisme parce que c'est quelque chose qui terrorise tout le monde, par définition. Et je pense qu'il ne faudra pas très longtemps avant qu'on commence à l'étendre à d'autres champs de la justice. Finalement, si on sait... qu'un homme risque un risque trop important de blesser ou de tuer sa femme, ne vaut-il pas mieux l'écarter avant qu'il passe à l'acte? Mais au bout d'un moment, enfin, là aussi on entre dans la fiction, on va dire, mais ça peut être Minority Report, mais c'est vrai que cette justice de, on va dire, de la corrélation, elle se met déjà en place d'une certaine façon. Et là, on voit bien qu'on a un changement qui est un changement anthropologique, et pas seulement un changement technique. Pour ne pas parler trop longtemps, juste je passerai à un autre exemple, celui de l'utilisation dans la médecine. Donc effectivement, Watson et d'autres systèmes font merveille dans la détection, voire la prédiction d'un certain nombre de maladies. C'est très bien, ça nous permet d'allouer des ressources, ça nous permet d'organiser le système de santé. En même temps, quand on commence à ne plus traiter des pathologies ou des symptômes, mais des risques, en fait on change un peu de sujet, parce que qui traite le risque? Ce n'est pas le médecin, c'est l'assureur. Or, la relation au médecin, beaucoup de médecins vous le diront, elle soigne déjà. T'en as parlé à un docteur? On sent bien que ça fait déjà quelque chose. En revanche, si je vous dis, t'en as parlé à ton assureur? Là, ça n'avait pas le même effet. Parce qu'ils sont très bien, les assureurs, mais la relation à l'assureur, elle ne soigne pas vraiment. Et puis, l'assureur, lui, il n'a pas prêté le serment d'Hippocrate. Donc, en fait, on change les choses. Et on change jusqu'à la définition de ce que c'est qu'être en bonne santé. Finalement, si j'ai un risque de cancer, de je ne sais pas quoi, est-ce qu'il ne vaut pas mieux, pour des raisons même économiques, que ça coûte moins cher, me faire enlever cet organe préventivement. Mais voilà, au bout d'un moment, ça change jusqu'à notre conception de ce que c'est qu'être ou pas en bonne santé. Et de façon plus générale, je pense que derrière ça, donc là on a le système de santé, le système judiciaire, toutes les activités qui sont impactées, activités économiques, on l'a dit, et on a eu une conversation hier soir lors du dîner en disant ce qui pourrait être un grand danger, ce serait l'entreprise qui serait créée directement par une intelligence artificielle, et finalement, c'est elle qui managerait la boîte. Mais et ça se passe aussi dans les systèmes de gouvernement. Qu'est-ce qui se passe quand l'intelligence artificielle agit à un haut niveau, on va dire, ou est impliquée à un haut niveau décisionnel dans les activités régaliennes de l'État? Toutes les activités qui sont liées à la coercition, à la liberté, à la justice. Il ne faut pas oublier que l'État est quand même le seul à avoir droit d'exercer une violence légale. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors, ce n'est pas pour vous dire, dresser un panorama négatif. Moi, je suis vraiment, enfin, c'est pour ça que je suis engagé là-dedans, très tech-friendly, et je pense qu'on a plus de bénéfices à en tirer que de dangers. Simplement, je pense que travailler sur la maturité des technologies pour savoir si elles sont déjà mûres pour les appliquer, c'est une chose, mais travailler sur la maturité de notre société et sur la capacité de notre société à prendre en compte ces technologies, c'est quelque chose que, à mon avis, pour le moment, on ne fait pas assez, pour justement essayer de voir ce que ça change en profondeur quand on commence à dézoomer et à avoir, on va dire, une big picture j'avais dit que je parlais français, mais enfin, je ne suis pas un très bon francophone, mais on va dire un grand panorama et pour s'apercevoir de ce que ça change vraiment dans notre société. Quelles intentionnalités, je pense que c'est un point qu'il faudra se poser, quelles intentionnalités pour quel type de société on bâtit?
Merci beaucoup au père Eric Salubir d'avoir posé comme ça les questions anthropologiques et des changements que cela peut impliquer. Donc on a entendu beaucoup de choses depuis ce matin, on a entendu beaucoup de choses de crainte et d'espoir, on a eu des positions très différentes. Maintenant, je vais me retourner vers Jean-Philippe Desbiois qui n'a pas encore parlé et après Michael Barisville qui a peu parlé pour justement des réactions à ces questions fondamentales. Hein, jusqu'où peut l'intelligence artificielle? Quels sont ses apports positifs? Quels sont ses risques aussi? Je vais commencer par une question provocante. Jean-Philippe, vous n'avez jamais eu peur de Watson? Jamais eu peur de votre enfant? Je suis provocant. En fait, oui. Il ne se passe pas un jour... Parlez proche du micro. Hein. Alors, la réponse est oui. Et je pense que c'est sain. C'est-à-dire que je travaille depuis 8 ans. Alors, avant, je même travaillais sur Watson avant que IBM appelle Watson. C'était, en fait, j'ai travaillé avec les laboratoires, les labs, alors que c'était encore que de la R&D. Et c'est pour ça qu'après, je suis parti aux États-Unis, etc. Mais la réponse est oui. La réponse est que chaque jour que Dieu fait, je me pose des questions sur ce que je fais et je m'assure que ce que je fais est bien aligné avec mon éthique et mes valeurs. Et si le jour où il y aura une rupture, ben je prendrai un autre chemin. Donc la réponse est oui. Et je pense que c'est sain qu'on se pose tous les questions qu'on s'est posées, chacun à son niveau, avec les avocats, les technologues, les sociologues, les businessmen. Et chacun doit se poser des questions pour bien s'assurer que ce qu'on fait, c'est bien conforme avec nos valeurs, etc. etc. Donc la réponse, encore une fois, oui. Le deuxième point, c'est que ce que j'ai beaucoup apprécié dans la première table ronde et dans celle-ci, c'est que, vous avez vu que dans la presse, ça envoie du lourd quand même. Cette semaine encore, il y a un gars qui a dit que ça va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Rien que ça, quand même. Hein. L'IA. Donc on désincarne l'IA comme étant une sorte de supra-intelligence qui va déclencher la Troisième Guerre mondiale. Donc les gars n'hésitent pas à envoyer du très très lourd. Plus c'est gros, plus ça passe et plus c'est relayé par les médias. Et ça va continuer. Donc ce que je veux simplement dire par là, ce que j'ai apprécié de moi dans les tables rondes jusqu'à maintenant, c'est que personne, enfin quelque part tout le monde d'une certaine manière assume ses responsabilités. Ça veut dire que nous sommes acteurs de ce qui est en train de se faire. Et je pense que le pire risque serait de faire croire aux gens que, encore une fois, l'IA est désincarné, ne nous appartient pas, c'est supra-intelligent. Or, l'IA, c'est tout sauf ça, en fait, fondamentalement. Comme vous l'avez dit, à la fin des fins, on va revenir au basique, l'IA, les algorithmes sont développés par des êtres humains, à moins que vous me démontriez le contraire, c'est utilisé et ça passe par des processus d'apprentissage faits par des êtres humains chez mes clients. Mes clients forment Watson, lui apprennent des choses, ça s'appelle le phénomène d'apprentissage, il ne vient pas d'une sorte de supra-intelligence, ce sont des hommes et des femmes qui apprennent à Watson à faire quelque chose, quel que soit le domaine d'activité, la médecine, la banque, l'énergie, oil and gas, ça se passe toujours comme ça. C'est utilisé par qui ? Par des hommes et des femmes. Et les processus de supervision sont faits par qui ? Par des hommes et des femmes. Donc je pense que le coup du débat qui déresponsabilise l'être humain par rapport à l'IA, je pense vraiment que c'est malhonnête et on passe à côté du vrai débat. Donc ça, c'est un premier point pour répondre à ta question, Jean. Le deuxième point auquel je crois beaucoup et que les patrons pour lesquels je travaille ont compris, c'est que l'IA, comme la technologie, c'est un choix social. Elle est ce qu'on en fait. Elle sera ce qu'on en fera. Si vous voulez détruire des emplois avec de l'IA, vous les détruirez. Si vous voulez créer des emplois avec l'IA, vous les développerez. Je travaille pour un très grand client français que je vais citer, puisque il communique beaucoup et je communique avec lui. Il s'appelle le Crédit Mutuel, une grande banque française. On a déployé les solutions Watson sur 20 000 collaborateurs, 5 000 points de vente. Ça, c'est la réalité, ça, hein. C'est déployé, c'est industriel. C'est l'une des rares banques en France qui continue à développer des emplois, à embaucher dans ses réseaux d'agences. Je dis ça parce que c'était l'un des exemples bancaires qui a été cité tout à l'heure. Et il déploie massivement, industriellement, une solution d'intelligence artificielle cognitive qui, là, s'appelle Watson, elle pourrait s'appeler un autre nom, c'est une autre question, ça. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Donc, des acteurs de la place ont bien compris que la technologie, l'IA, le cognitif, c'est un choix social, c'est un choix stratégique, et encore une fois, ils l'amènent là où ils veulent bien l'amener. Le vrai débat, finalement, de mon point de vue sur l'IA, c'est un débat qu'on a déjà, de toute façon. C'est quel est l'impact du cognitif sur les emplois, notamment qualitatif. C'est-à-dire que croire que l'application, l'adoption, l'appropriation du cognitif par des collaborateurs ou collaboratrices est sans impact, ça, c'est faux. Ça a des impacts. Et le vrai débat aujourd'hui que l'on mène au travers d'accompagnement du changement, de formation, d'accompagnement, c'est comment faire en sorte qu'on tire le meilleur de l'utilisation des outils qu'on met à disposition des hommes et des femmes chez les grands clients chez lesquels je travaille. Je vous donne un exemple. Quand j'étais à Singapour, on a fait un projet dans le domaine de la gestion patrimoniale, donc ça parlera aux Suisses.
tout ce qui est wealth management. Donc, on a mis à disposition une solution cognitive qui, quelque part, analyse des milliers de documents et met à disposition du relationship manager des solutions de financement ou d'investissement en fonction du profil du client, pour faire court, pour la faire courte. Hein. Et à la fin des fins, j'ai demandé à la jeune femme avec laquelle je travaillais, qui est une relationship manager, qui a formé la solution, qui a passé beaucoup de temps avec Watson pour la former, et je lui ai dit, mais finalement, qu'est-ce que tu retires du projet qu'on a fait auprès de toi pendant à peu près 7 mois, 8 mois, un long projet? Et elle a réfléchi, elle me dit, Jean-Philippe, tu sais, finalement, si je devais retenir une chose de ce que ça m'a apporté, c'est que finalement, ça a cassé nos zones de confort. Je lui ai dit, bon, pourquoi tu me dis ça? Ça veut dire quoi, ça a cassé tes zones de confort? Eh bien, la raison, c'est que la solution recommande des choses auxquelles l'ERM ne pensait pas forcément naturellement. Pourquoi ? Parce que l'ERM, comme tout être humain, a des zones de confort et on ne supporte pas de sortir de nos zones de confort. Et on a des zones de compétences. On n'est pas compétent sur tout. Autrement, ça serait c'est ce que je veux dire. Et Watson, lui, de ce point de vue-là, n'a pas ce type de biais. C'est-à-dire qu'il est capable de raisonner sur un corpus d'informations qui est, effectivement, potentiellement, sans aucune limite. Et en faisant ça, il donnait des recommandations au relationship manager auxquelles la personne ne pensait pas forcément eu égard à son domaine de compétences, à sa zone de confort. Et finalement, ça a un petit peu bousculé les gens en disant, mais finalement, pourquoi est-ce que ce scénario-là serait-il intéressant pour mon client? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et donc, en faisant ça, on suscite quelque part, de la, je pense, une aide, une valeur ajoutée que d'autres systèmes ne pouvaient pas faire par ailleurs avant, puisque les systèmes qu'on savait créer jusqu'à maintenant, des systèmes qui exécutaient quelque chose qui était prêt programmé. Je ne sais pas si je suis explicite dans ce que je dis. Tiens, maintenant, un exemple sur la médecine. Japon. Je passe au Japon à la médecine. La leucémie. Tout ça est sur Google, en l'occurrence. N'hésitez pas et faites Google, vous faites leucémie, Watson, Japon, et vous trouvez ce que je vais vous dire maintenant. Je vais la faire courte. On travaille pour un hôpital au Japon. Hier, je vous ai dit, Watson était déployé sur 50 hôpitaux, 14 000 patients, etc. Et entre autres, la leucémie fait partie du périmètre d'investigation que nous essayons d'avoir, et Dieu sait si c'est compliqué. Et donc, en l'occurrence, cette équipe japonaise traitait une patiente qui avait été traitée pour un cancer du sang, et malheureusement, ce recovery se passait pas aussi bien qu'on ne l'espérait. Et en l'occurrence, ça allait down, 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 et elle allait visiblement mourir. Et donc cette équipe, parce que c'est toujours une équipe qui travaille sur ce sujet-là, tellement ils sont complexes, de travailler, ils n'arrivaient pas à trouver la clé du problème et la situation s'empirait. Cet hôpital est équipé de Watson. Et Watson, en computant des milliers d'informations de data, à la fois les data de la patiente et à la fois les data de centaines de milliers de patients sur cette pathologie spécifique, a sorti une alternative parmi tant d'autres. Il n'a pas sorti la solution. Ce n'est pas magique, ce n'est pas Harry Potter. Il n'a pas dit « c'est ça, regarde ça ». Il a sorti des probabilités de scénarios qui sont en train de se passer. Et l'équipe a été surprise à un moment donné en disant « mais c'est bizarre, ce scénario-là, on n'y avait pas pensé. Et finalement, est-ce que c'est une piste ?» Il s'est avéré, et Dieu merci pour cette jeune femme, en l'occurrence, qui n'est pas forcément jeune, mais peu importe, pour cette femme, que la piste qui avait été identifiée était la bonne piste. Ils l'ont investiguée, ils ont pu sauver cette femme. Donc, encore une fois, il n'y a pas de magie, il y a simplement des systèmes qui ont des caractéristiques et des capacités qui sont indéniablement puissantes et qui, mis dans de bonnes mains et qui, mis d'une certaine manière positive, humaniste, constructive, arrive à faire des choses, effectivement, que nous n'arrivions pas à faire. Je clôture à ce stade-là. Merci Jean-Philippe pour cet exemple de coopération machine. Donc maintenant, je vais me retourner vers Michael et ensuite vers Anna pour leur demander comment justement eux voient cette coopération de machine, comment ils se situent par rapport à ces risques et ces attentes que l'on vient de développer. Michael, parlez près du micro. Thank you. So, I think we are discussing some very fundamental and very complex issues. And also, as many of us as, and also many of the panelists here on stage, I think we have two hearts, right? We have the hearts of businessmen, and we have the hearts of consumers. And maybe I can give you my view on both sides. So as a businessman, as an engineer, it's very interesting to see that there is a lot of fantasy in the industry. There's a lot of wish for what could be possible. And as an engineer, I'm every day surprised by how flawed these solutions are on a daily basis. So it's really complex to get one of those systems up and working because there are so many uncertainties in it. It's, do you have the right people? Do you have the right data sets? Do you have the right business case? And I think where the discussion becomes interesting, it's not just about talking of all the great examples that worked out miraculously well.
It's when we start to be really honest about what the cases that did not work. And this you rarely hear. So this is also a wake-up call to the audience. Ask the companies about everything that did not work out well. And this rarely happens. Then the second thing that really makes me think when I'm a consumer, and this is crazy, it's that an AI is only as good as the data set it has. Okay? Now, if we speak of millions of data points, look at the data that's out there. Look at the data that everybody of us is generating on a daily basis and access to on a daily basis. And most of these data sets are flawed. Let's realize it. Look at the data set in internet. It's flawed. Just to give you an example, and this example always gives me a lot to think about. So let's do a quick experiment. I really like this one. I had this at a session at MIT. So please pick up your smartphones and open Google and search for professional haircut. Professional haircut. Just professional haircut. I'm not saying that you should search for a professional haircut, but search for it. And then check the images you see. So what do you see? Yes. Only white men. Now Google for unprofessional haircut. So what do you see when you Google unprofessional haircut? And what kind? Yes. So this is, and this really shows you at a global scale how difficult it is to have algorithms work on open data sets. It's just very biased and very complex. And that is just my two cents. Let's be realistic about what we can do. Let's bring this back to the ground and really talk about the engineering problems that we have. Thank you. Anna, after Elizabeth. Anna. I would like to comment on the questions that Monsieur Salabert has raised, because I think these are very important ethical questions that we need to address as a society about how we use machine learning and artificial intelligence appropriately. How do we distribute it well, and how do we evaluate what the consequences will be for us as a society? And the example that you gave about the machines that would be deciding what should be the sentence for a prisoner, or some other examples, whether we would use machines for taking decisions about the creditworthiness of a person to see if they should get a mortgage. These are very delicate matters, and these are things that have big impact on human lives, and we should be thinking about what are the appropriate ways to use the technology in those circumstances. How do we define fairness? How do we measure fairness? How do we combat bias? And how do we make sure that these technologies match our values? And I do think that these are the questions that we definitely need to think about as the technology gets distributed wider and wider, and we should be facing those challenges all together. But I do believe that it is very important to be investing a lot into machine learning and into research in the field, because we've seen how many benefits it has brought already to the humanity, from some of the basic data applications that we are using to some of the scientific applications where machine learning can help doctors to do better diagnosis so that people in remote villages can get access to education, can get access to some of the preventive medical care if they would have a simple device that would tell them that they have a chance to develop, skin cancer or any other of the diseases. I think this is one of the reasons why we, as a society, as communities, as entrepreneurial organizations, big companies, and governments should be investing in this field. And we do believe that the technology also should be open
And on our side, we've open sourced machine learning platform, giving free access for it to everyone. And once we have done it, what I have seen is that there are applications of machine learning that I would have never thought of, that people would be using it in that way. We've seen examples from a cucumber family from Japan, where a son, technical, tech-savvy son from the family, was able to build up a system that would automatically sort the cucumbers. And by this, he relieved his aging mother from hours and hours of manual labor. Or examples coming from Australia, where marine researchers have used our machine learning platform, which is called TensorFlow, for identifying extinct or sea cows that are about to be extinct in the thousands of aerial photographs that they have taken. And by this, they have saved hours and hours of researchers' time so that researchers can actually focus on finding solutions of how to do this. And so by opening this technology, we are opening it for using by everyone in the world and let everyone to build the things that they have envisioned, and they would bring benefits to their communities, to their companies, to the governments, nations, and so on. So, vous avez probablement entendu parler, vous avez probablement entendu parler de cette expérience qui a été faite en Asie récemment, où un robot a été introduit dans un board de direction et il avait le même droit de vote que les autres membres du board. Cet exemple, plus ce qu'a dit Michael tout à l'heure sur les biais qu'on peut avoir dans notre esprit, me fait partager avec vous un autre espoir. Parce que moi, je suis fondamentalement optimiste et je crois qu'il faut regarder les choses dans la bonne direction. Quand on sait aujourd'hui que 80% des richesses de la planète sont partagées par 20% de la population, si ce n'est moins. Quand on voit qu'on a encore aujourd'hui des problèmes fondamentaux pour l'humanité, qui sont la misère, la famine, les problèmes de santé, les problèmes environnementaux, et que les êtres humains n'ont pas réussi à les régler. Quand on voit, et je vais prendre de manière très pragmatique un exemple des entreprises, les difficultés que nous pouvons avoir du fait de nos égos, du fait de nos intérêts personnels, du fait de nos difficultés à nous comprendre, à échanger, à partager, les décisions complètement irrationnelles qui peuvent être prises, je me dis que là encore, il y a une possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à prendre des décisions rationnelles basées sur des faits plutôt que sur des intérêts personnels et des intérêts qui ne vont pas toujours dans le sens du commun. Je vais passer après. On va devoir malheureusement conclure quand nous sommes en retard, donc je passerai la parole à Eric Salobir dans un instant, mais est-ce qu'il y a une autre intervention, peut-être, Jean-Philippe? J'aimerais simplement très court. Une minute. Tu as beaucoup insisté, à juste raison, sur la data, mais je pense qu'il ne faudrait pas sortir de cette salle en pensant que l'IA se résume à la data, parce que ce serait omettre l'un des deuxièmes composants qui est juste capital, c'est-à-dire le savoir-faire et l'expertise et l'apprentissage. La data, c'est la matière première, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le nouvel oil, le nouvel Eldorado, mais fondamentalement, n'oubliez jamais que comme on est face à des systèmes qui sont des machines apprenantes, avec le machine learning, deep learning, ils apprennent du savoir-faire d'un groupe d'individus, de sachants, qui vont devoir encore une fois passer du temps à apprendre à la machine à comment processer cette information. Et je vais faire court, sur la même data, il peut y avoir 3-4 interprétations différentes. Pourtant, la data n'a pas changé. C'est vos cerveaux respectifs qui vont, de par votre éducation, votre expérience, et patati patata, vous allez processer chacun d'entre vous l'information de manière différente. La difficulté que l'on a et le challenge que l'on a dans les systèmes apprenants, c'est comment faire en sorte de savoir qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et c'est très amusant, c'est que quand on fait, c'est amusant tout relatif, en tout cas moi ça m'amuse, quand on est en processus d'apprentissage avec nos clients, donc on prend quelqu'un, groupe de sachants sur un domaine donné, la médecine, la banque, etc., et ils vont passer du temps à apprendre à la machine ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Et quelquefois, sur la même information de base, qui elle est unitaire, elle est en soi, elle est factuelle, j'ai 3 interprétations différentes. Or, à un moment donné, il va falloir trancher. Alors, je dis malheureusement, on va devoir s'arrêter dans un instant puisque nous sommes assez pressés ce matin car il y a beaucoup de gens qui prennent des trains à des heures précises en début d'après-midi. Donc, on va demander au père Eric Salobir un dernier mot et on va devoir conclure cette table ronde. Moi, je dirais juste 2 choses. La première, pour revenir sur ce qu'on a dit un petit peu de l'interaction avec la société
et de, on va dire, de la dimension très délicate de, et en même temps bénéfique, potentiellement bénéfique, de mettre en place l'intelligence artificielle dans certains domaines. On citait la justice, mais on va dire tout ce qui sort un peu du simple champ des entreprises, on va dire du seul business. Je pense que ce qu'il faut qu'on essaie de regarder, et c'est de se dire que, mais ça a déjà été dit lors du panel précédent, c'est qu'en fait, la responsabilité, elle n'est pas seulement sur les épaules de ceux qui développent ces systèmes, elle est sur les épaules de tous ceux aussi qui gèrent, gouvernent ou accompagnent ces processus dans la société. Et juste pour revenir de façon très précise sur le cas de la justice, par exemple, même si vous avez un logiciel qui ne fait que conseiller un juge aux États-Unis, dans certaines cours où les juges sont élus, lequel prendra le risque de ne pas suivre ce que propose l'intelligence artificielle, de voir quelqu'un libéré, tuer 10 personnes dans la rue, c'est la fin de sa carrière en tant que juge. Donc on va dire que quelque part, il ne peut pas ne pas suivre ce que va proposer l'intelligence artificielle. Donc, il y a des processus décisionnels ou il y a des processus d'organisation qui mettent l'humain en situation d'interagir de façon positive avec la machine, d'apprendre de la machine. C'est un peu Kasparov et Watson travaillant ensemble pour monter une team pour être plus efficace aux échecs. C'est Demis qui me disait ça, c'est que les gens maintenant font la queue pour jouer contre AlphaGo parce qu'en fait, ils apprennent beaucoup. Donc il y a ces dimensions positives. Après, il y a aussi des situations où parfois l'humain n'a pas d'autre choix, se trouve coincé par le système, pas par la machine elle-même, mais juste par la façon dont on a pensé l'interaction homme-machine. Et c'est, moi, je crois beaucoup à ce que Joy Ito, le patron de MIT Media Lab, dit sur le Society in the Loop. Comment est-ce qu'on peut remettre la société dans la boucle, ou toute une profession qui peuvent être les juristes, qui peuvent être les médecins, comment est-ce qu'on crée cette interaction? C'est la première chose. Et la deuxième, brièvement, je reviendrai sur cette dimension de l'intentionnalité. Tout le monde l'a dit, c'est pas magique. Derrière les humains, il y a des machines. Et ces humains, ils ont... Non, pardon. C'est intéressant ce que j'ai dit. Et ça, ah oui. C'est un lapsus révélateur. Lapsus. En fait, je vais pouvoir enlever mon masque. En fait, je suis une machine. Mais ça, normalement, vous devez vous le dire qu'à la fin. Mais c'est Christopher qui devait vous le dire à la fin. Mais bon, voilà, je me suis trahi. Mais en fait, c'est ça. Derrière chaque machine, il y a des humains. Et ces humains, ils ont une intentionnalité qui peut être consciente ou inconsciente. C'est ce qu'on a dit sur la présence des hommes blancs nord-américains dans le développement des algorithmes qui font qu'effectivement, il y a des biais intrinsèques liés à la data ou liés à l'algorithme. Mais donc, il y a des choses qui sont inconscientes, des choses qui sont conscientes. La question, c'est comment les développeurs de ces technologies sont comptables de cette intentionnalité vis-à-vis d'une société que leur système impacte de façon de plus en plus forte. C'est-à-dire que c'est bien de dire, super, ça régit ou ça interagit avec tous les aspects de nos vies. Quelque part, quelle transparence et qui rend des comptes, qui est responsable? Merci beaucoup. Alors, merci à tous pour cette deuxième belle table ronde.